Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix du Seigneur, parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus,
et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est la solennité de la Sainte Trinité. Donc, l'Église célèbre Dieu lui-même dans son mystère d'amour. La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette vérité centrale de notre foi, définie par l'Église, nous révèle que Dieu n'est pas solitaire, mais plutôt solidaire, communion et communication intense. Et Jésus est le seul qui a pu nous le révéler, parce qu'il est et il vit de cette Trinité dans l'amour. Le mot Trinité ne figure pas explicitement dans la Bible. Ainsi, si l'on parle de Trinité, c'est parce que Jésus a parlé de Dieu, son Père, qu'il s'est dit son Fils et qu'il a promis à ses disciples le don de l'Esprit Saint, qui sera à la fois son continuateur, le révélateur du Père et notre défenseur. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom de la Trinité. Notre profession de foi est trinitaire, car le credo est l'une des meilleures approches du mystère de la Trinité. Le credo est donc le récit sur les actions d'un seul Dieu. Dans son livre « Qui est Dieu ?», Jean-Claude Barrot écrit ceci. « Ce mystère nous est révélé parce que le Dieu d'amour veut nous faire partager son amour, parce que nous sommes appelés à entrer dans la Trinité. » Ainsi, la première lecture nous fait découvrir que Dieu est unique par l'enseignement de Moïse à Israël. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Désormais, la source du credo, la source de notre profession de foi dans l'Église. Je crois en un seul Dieu. C'est en ce sens qu'à travers les évangiles, Jésus nous révèle les secrets de son être profond. Ce que nous savons de la vie intime de Dieu, nous ne le connaissons que par les confidences de Jésus. Il nous a manifesté que Dieu est son Père et que l'Esprit Saint
est le lien d'amour qui les unit et qui nous relie à eux. Aussi, nous ne saurions parler de la Trinité qu'à partir de l'expérience de Jésus. Jésus prit le Père. Il accomplit les œuvres du Père. Il dit la parole du Père. Jésus exulte dans l'Esprit. Il promet l'Esprit. Il vit et il agit dans la force de l'Esprit. Il meurt en transmettant l'Esprit. Ainsi, au baptême, nous avons été marqués par la Trinité pour entrer dans son mystère d'amour. L'évangéliste Matthieu nous invite à réfléchir sur l'origine trinitaire du baptême et de la mission. Car il n'y aurait pas de mission possible s'il n'y avait à l'origine Dieu le Père qui envoie, il envoie son Fils, et le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Et par la voix de Jésus, c'est la Trinité qui envoie l'Église. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute l'Église est missionnaire, rappelle le Concile Vatican II. Et l'Église, en mission perpétuelle, ne fait que révéler la présence agissante du Christ dans l'espace et le temps. Car Jésus a fait la promesse de sa présence sans limite à ses disciples d'hier, à ses disciples d'aujourd'hui et de demain. Et moi, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce sens, la lettre de Paul aux Romains nous décrit l'expérience des nouveaux baptisés envahis par l'Esprit. Cela nous ramène à la certitude de nous savoir et de nous sentir enfants de Dieu. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit, nous dit Paul, que nous sommes enfants de Dieu. Et pour vivre pleinement notre vie de baptisé, nous n'avons qu'à nous laisser guider par l'Esprit Saint. Car, dit l'apôtre, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Grâce à l'esprit d'amour, grâce à l'Esprit Saint, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'Esprit Saint est celui qui irrigue, qui féconde, qui fait croître nos facultés d'intelligence et de volonté, de sensibilité et d'action. Enfin, que cette solennité de la Sainte Trinité soit pour nous et pour nos enfants une occasion de prendre conscience du sens et de la valeur de notre signe de croix qui en est le résumé. Que par nous, Dieu soit glorifié en tout temps et qu'un jour, nous soyons tous réunis auprès de lui pour toujours, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu. Évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et sœurs du monde entier, tournons-nous vers le Seigneur avec foi. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants de même Dieu, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur le chemin de la joie, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur du Dieu unique, Père, Fils et Esprit, prions le Seigneur. Source de vie et d'amour, écoute-nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur de l'univers, toi seul es saint, toi seul es notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie. Maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et, par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marcel Franqueur, de Gilles Toussignan, de Laurent Morin. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gary Georges, sur les sœurs de Sainte-Croix et les sœurs du pavillon Saint-Joseph, sur Christina Josselin en action de grâce, sur Palmyra Benjamin et ses enfants, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Enfants de Dieu, nous le sommes, et nous avons été tous baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons redire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
déclare du Seigneur, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de dimanche dernier a rapporté 527 $. Un grand merci à tous. Un merci à Julien, notre chanteur, à Gina, notre électrice. Un merci à Denis, à l'orgue,
Un merci à nos bénévoles d'accueil, à notre sacristain Calarinx et à notre concierge Alexandre. Un merci à chacun et à chacune de vous. Comme on prévoit et passer et à la zone orange dans peu de temps, on aura d'autres instructions à vous donner quand ce sera le temps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je voudrais simplement dire une bonne fête à toutes les mamans haïtiennes, celles qui sont ici ou en Haïti, puisque pour les Haïtiens, c'est le dernier dimanche de mai qu'on célèbre la fête des mamans. Bonne fête aux mamans. Allez dans la paix du Christ.